Michel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Idols. Et j'ai encore oublié, c'était quoi le chapitre? Mais je suppose que vu le titre, je vais direct comprendre. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je pensais pas que c'était maintenant. Non, mais j'étais contente aussi. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que Jael avait bouffé son con, quoi. Mais bon. Bon, je sais. Ah, oups. Ah non, c'était maintenant ça! Bah du coup, Ginny. Ah, alors c'était là maintenant. C'était pas. C'était pas à la fin, ok. Bah je pensais que c'était. J'avais oublié. Bon bah voilà. C'est ce que je disais en fait au début, à la fin de l'épisode. Je pensais qu'on voyait. Bah on avait vu Annie aller voir. Aller voir Ginny et j'ai en mode. Eh, je suis en couple avec. Bref. Duna ôte la dernière de ses boucles d'oreilles, qui brille à présent sur sa table de nuit, dans la lumière de la lampe de chevet. Je commence déjà mes 10 minutes. Il se glisse ensuite sous la couette épaisse. Bon, ce n'est pas tout ça, mais je suis crevée de dingue. La journée a été longue, comme d'habitude. Lin Seung s'assied de son côté du lit et où il reste un moment immobile sans parler. Duna a qu'un souci face à son ami comme transformé en statue. Un souci? Est-ce que tu es trop fatiguée pour que je te parle? Duna masque un nouveau bâillement derrière sa paume puis fronce les sourcils en se redressant un peu comme contre son oreille. Non, contrairement aux apparences, je suis pas trop fatiguée pour ça. Tu m'inquiètes là en fait, qu'est-ce qu'il y a? Quoi que ce soit, et même si on en a pour toute la nuit, je préfère que tu le dises. Il y a de vraiment inquiétant, rassure-toi, enfin, je pense. Jin Seung pivote un peu pour regarder Duna. Oh il commence déjà à me... Je vais bien. Comment ça va, vous? Sinon... J'ai pas envie de lire cette phrase, j'ai envie qu'on s'arrête là. Bon, c'est déjà fini. Non, mais. Je suis tombée amoureuse. Le même vocaliste laisse échapper un petit rire, tu m'étonnes. Oui, je l'avais remarqué ces derniers jours. Vraiment amoureux. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Arrête! On avait compris. Genre, vraiment, c'est. Tu vas nous tuer un jour. Regarde Jin Seung sans crasse, son meilleur ami. Je lui ai demandé si elle voulait sortir avec moi et elle m'a dit oui. Donc on peut dire qu'on est un couple. Ah. Jin examine son œil de manière sérieuse, voire un peu intriguée. Tu pensais me surprendre ou bien? Parce que comme je te l'ai dit, c'est assez visible, donc je suis pas sur le cul du tout. Si t'attendais à cette réaction. Je m'y attendais pas spécialement, non, je voulais juste te le dire clairement. Et aussi, j'imagine savoir ce que tu en penses. Jin Seung a prononcé sa phrase lentement, en détachant chacun de ses mots et ne quittant pas son ami des yeux. Duna passe une main dans ses cheveux, ses mèches suivent le mouvement de sa main vers l'arrière de son crâne. Épineuse question. Je pense que ça va pas être simple, que tu vas au-devant de grosses complications. Je pense aussi que tu vas devoir garder ça secret tant des fans que d'OP. Sinon déjà, vous allez vous faire lyncher. Mais en plus, ça va faire tout capoter pour le groupe. Et quel que soit ton avis sur la question, je ne crois pas que tu arrives jusque là, non? Tu sais que pour nous, c'est important. En effet. Et puis bon, tu ne vas pas vraiment donner Mina-chan en pâture à la presse. Ça saigne, je suppose. Le main danseur secoue la tête sans la moindre hésitation. Non, bien sûr que non. Je vais la protéger de ce monde-là, justement. C'est con que tu dis ça, parce que... Je ne veux pas qu'elle y tâche chez elle. Est-ce que je vous ai déjà dit que je l'aimais? Non? Si? Énormément. D'accord. Oups. Non, c'est... Au cas où, je vous le rappelais, parce que... C'est indélébile. Je vais donc tout faire, au contraire, pour m'assurer que ce petit espace est préservé, qu'elle reste intacte. Ouais, donc voilà, pour moi, ça ne va pas changer grand-chose, quoi qu'il arrive.
En fait, je suis même plutôt content si ça te permet de trouver une motivation, une raison, une joie. Et si jamais ça finissait par mal se passer à notre insu, que ça savait à un moment ou à un autre malgré mes précautions. Jonas les épaules. Eh bien, tant pis, que veux-tu que je te dise? On trouvera le moyen de s'en remettre. Tant que ce n'est pas pour rien, parce que tu es bien. Jinsung hoche la tête. Je suis bien avec elle, hein. Elle fait sourire mon cœur. Hey! Oh, Oui. Jinsung place ta paume à plat sur sa poitrine. Pour être franc, ce n'était pas du tout prémédité, ça m'a pris totalement par surprise. Je ne le cherchais pas, j'étais même sûre que ça ne pouvait pas m'arriver. Et puis j'étais attirée par elle quand je l'ai sentie. Je crois que c'était déjà irrémédiable. Et qu'elle a ressenti la même chose. Je vois, viens. Jenna ouvre les bras, disant que ça passe par-dessus de lui pour accepter la collade. Et pourquoi là on n'a pas eu une image? C'est pas juste, hein, je rigole. Moi j'aime bien les câlins, ok? Même si tout au contraire de ce que je veux arriver, je pense que je parviendrai à me consoler un jour en te voyant heureux. C'est gentil, même si on sait que tu n'auras pas besoin de te consoler, tu feras en sorte de tout de même tirer ton épingle du jeu. Le rire de Juna fait vibrer son torse contre celui de son meilleur ami. Pas faux, je n'ai pas été fabriquée pour abandonner. Il me manque le bouton arrêt. Même pose. Pas faux non plus. Mais en tout cas, tu as ma bénédiction, mon absolution, tout ce que tu veux. Merci, Juna. Bah, en plus, vous êtes mignons tous les deux, alors ce serait presque un crime de ne pas vous encourager. Oh, Gia! T'as de la chance de commencer l'épisode comme ça, parce que je sais qu'après tu vas être chiant et que je vais avoir envie de t'en coller une. Ah, c'est drôle, hein? Jinsung ferme les yeux en étreignant Juna à son tour. Merci. Je me retourne et je vois. Bah, ah oui, c'est le rêve là, je crois. Je me prends la main et joins nos doigts. Je me laisse faire subjuguer par la façon dont il me regarde dans le même temps. Quoi? Comme si j'étais un objet très précieux. J'étais pas prête pour ça, genre. Faut prévenir quand on fait des trucs comme ça, ok? Tu es vraiment jolie. La plus jolie même, Minato-san. Alors que le rouge me monte déjà aux joues, il pose ses mains sur mes épaules et y imprime une légère poussée. Je me laisse faire et ses mains accompagnent le mouvement pour m'étendre sur le lit. C'est un mélange parfaitement dosé de délicatesse et de fermeté. Mon cœur bat très vite alors que Jinsung se penche par-dessus moi. Sans réfléchir, j'attrape sa nuque pour m'assurer qu'il ne se relèvera pas et je l'attire même vers moi. Il a un petit rire qui se termine sur mes lèvres tandis qu'il m'embrasse. Ses propres mains se posent sur mes hanches et j'ai l'impression qu'elles prennent feu. J'ouvre grand les yeux sur le plafond de ma chambre. Je tourne la tête à droite puis à gauche et je vois le poster de Surstar sur le mur. Le genie en papier glacé n'a même pas l'impression que le Jinseong n'a pas la même expression que le Jinseong que je viens de voir. Zut, c'était un rêve. Mais si ce genre de pensée s'est immiscée dans mes rêves, ce n'est pas anodin, c'est parce que j'en ai envie. Bien sûr, mes sons se sont construits sur l'incroyable moment que j'ai vécu hier soir, bah oui. Car Jinsung m'a bel et bien embrassé une nouvelle fois. Mes doigts que j'avais posés sur ma hanche remontent jusqu'à mes lèvres. Je sens encore cette Jinsung et sa langue au cours de cette séance de yoga, rien particulier. J'en avais presque oublié ce moment, putain. Et je sors avec lui pour de bon. Ouais! C'est absolument fou. Moi, fan de Surstar, je sors avec Ginny, le talentueux et insaisissable danseur du groupe. Si je ne venais pas à me réveiller, j'aurais pensé que j'étais en train de divaguer. En tout cas, une chose est sûre, je ne risque pas de me rendormir. Trop de pensées tourbillonnent dans ma tête et mon cœur bat trop vite aussi. Je vais plutôt rêver tout éveillé pour prolonger la sensation du BDDR qui m'a suivi jusque dans mon inconscient. Vite, vite, ça va être en retard! Comment ça se fait qu'aucun ne réveille à sonner à l'heure?
J'évite de dire que j'étais déjà réveillée, perdue dans mes pensées presque érotiques, et je n'ai pas vu le temps passer. On verra ça plus tard. Pour le moment, on y va. Attention à ta cheville. Je te rappelle que le kiné t'a dit de ne pas trop forcer au début. Je vais pas taper un sprint, juste une petite marche rapide. Allez, allez! Père me pousse dans le dos jusqu'au petit hall d'entrée où j'ai à peine le temps de me mettre mes chaussures. Il faudra absolument s'arrêter une fois à la fac pour prendre un petit truc à manger. Parce que si j'ai pas quelque chose dans le ventre pour la matinée, je vais défaillir. Promis! Père me prend par la main et m'entraîne vers la porte. Nous avons par chance trouvé une petite place dans la rame pour tambonder. Et ce n'était ni une place pour femmes enceintes, ni pour personnes âgées, ni pour personnes à mobilité réduite. J'ai tellement de sommeil à rattraper, c'est moins une phrase que je pourrais dire dans la vraie vie. Je pense que je pourrais hiberner pendant au moins 3 mois. D'ici un gros mois et demi, tu rentreras en France pour les fêtes de fin d'année. Tu pourras essayer de récupérer. C'est vrai que j'aurai une vie moins trépidante. Ah, tu t'habitues? Les garçons vont me manquer surtout. Je suis contente de revoir ma famille, mais bon. Je leur apporterai des cadeaux de France. Et à moi aussi, j'espère. Promis. Bon, et sinon, maintenant qu'on est un peu posé et qu'on a le temps de parler, c'était comment cette soirée au restaurant? Je veux tout savoir. C'était fabuleux, vraiment. Merci d'être resté avec tes parents, non, on va dire, même si j'étais un peu stressée au début. Mais c'est vite passé. Claire a les yeux machinalement rivés sur son téléphone pendant que nous discutions. Chaque matin, ma cousine consulte les différentes informations concernant ça. Je vois que c'est un petit rituel qui lui permet de se rassurer. Pourtant, aujourd'hui, je vois distinctement son visage s'effacer un peu à peu au fil de sa lecture. Il y a un souci? C'est Eugene. Mon cœur se fige dans ma poitrine. Les garçons sont partis donner une interview pour une radio et ils ont pris des photos devant le bâtiment. Mais Eugene n'y est pas. Il était peut-être déjà rentré dans les locaux? Claire me jette un petit regard en coin lourd et de sens et colle aussitôt son téléphone à son oreille. J'ai la voix se mordiller la lèvre nerveusement. Oh bon sang, en plus il ne répond pas. Il sait pourtant que je déteste quand il fait ça. Je suis certaine qu'il y a une explication rationnelle. Comme être occupé à une interview pour la radio en question, justement. Les autres ne l'auraient pas abandonné s'il avait été très mal. Mais personne ne sait à part Imchan et moi et toi maintenant. Claire est comme frappée d'une illumination. Mais au fait, tu étais avec eux hier soir. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de bizarre? Je suis restée à ma place quand Colin s'est levé. Même si je suis quand même plus ou moins au courant de la situation, il n'est pas très difficile d'imaginer ce qui est arrivé à mon cousin. Je m'accorde un moment de réflexion. Le choix est cornélien, dire la vérité à Claire et trahir Colin. Protéger le secret de Colin et trahir Claire. Non, rien. Colin, je sais pas si je l'avais déjà eu. Mais ça me dit rien, du coup j'ai peut-être, soit j'ai oublié, c'est possible, soit j'avais fait un autre deux parce que je savais pas choisir. C'est possible aussi. Je n'ai pas le courage de trahir le secret de Colin. Pas non plus de celui de briser le cœur de Claire. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé juste avant qu'on me quitte le resto. Mais vu la tête de Michel ensuite, j'imagine que ce n'était pas la joie. D'autant que je sais que la situation de Colin est plus alarmante que ce qu'il a voulu faire croire à sa sœur. Malgré tout, j'ai l'impression que ce n'est pas ma place d'annoncer tout ça à Claire. Je sais pas trop ce qui se passe. Il était peut-être fatigué après cette semaine plutôt éprouvante. Michel ne l'aurait pas abandonné à son triste sort si ça avait été très grave. Et puis tu penses bien que les présentateurs de la radio vont leur demander où est le leader. Quant à Colin, il t'appellera dès qu'il verra tes messages, j'en suis sûre. Claire tourne la tête vers moi et me regarde. Je me demande si elle essaie elle aussi de croire à ce que je viens de lui dire pour se convaincre que tout va bien. C'est un sentiment terrible. Ma cousine finit par pousser un soupir et glisse une main dans ses cheveux. Si jamais je n'ai pas de nouvelles d'ici midi, j'irai jusqu'à leur résidence. Comme ça, je serai fixée. Je suis désolée d'être aussi extrême, Minatian, mais l'état de santé de Yu me préoccupe beaucoup. C'est bien normal, moi aussi ça m'inquiète. Je viendrai avec toi au dortoir si jamais tu veux t'y rendre tout à l'heure. Merci.
La main de Claire se referme encore sur la mienne et je sens peu à peu la tension qui l'anime se désagréger. J'ai de ruiner le moment. J'ai besoin de me changer un peu les idées. Raconte-moi ta soirée. Est-ce que mon sacrifice a été utile? J'ai l'impression qu'elle se force un peu à être enjouée. Eh bien, comme sinon tout, j'ai surtout passé du temps avec... Jason m'a emmené faire du yoga et rien. Wow, trop classe, et tu as aimé? Ouais, c'était super, plus parce que j'étais avec lui qu'autre chose. Yes. Je n'ai pas fait beaucoup de pauses non plus, mais j'ai passé une des meilleures après-midi de ma vie. On a parlé aussi beaucoup et je le découvre chaque jour un peu plus. Sa sensibilité et sa fragilité me touchent. C'est un tel contraste avec la puissance qu'il lui faut lorsqu'il danse. Je trouve aussi que Jinsong a quelque chose de très touchant derrière son mystère. Et le soir, avant que je ne rentre à l'appart, nous avons une autre discussion. Il m'a demandé de sortir avec lui. Il m'a promis un autre rendez-vous. Je meurs déjà d'impatience à cette idée. C'est génial! Toi et Ginny forment un très beau couple. Et je ne dis pas ça juste parce que tu es ma petite cousine chérie. Oh. Mais un peu quand même. Bon, peut-être juste un tout petit peu. Mais juste un chouïa. Parce que ça reste quand même la vérité. Et je suis super heureuse pour toi. Ma cousine semble avoir retrouvé le sourire pour de bon et je me sens incroyablement soulagée. Mes pensées sont interrompues par le tintement sonore de mon téléphone dans mon sac. Tiens, c'est ma mère. Pardon, mais ce choix, il me fait rire. Je pense que si c'était Bad Crush, tu mets ça à Céline sur moi. Je ne cesse de repenser à notre journée d'hier. J'espère qu'il y en aura des milliers comme celle-ci. Oh mon dieu, je pensais qu'il allait continuer, mais non. Oui, c'est à moi d'afficher un immense sourire qui parle de lui-même. Ah, l'amour. Donc ma petite miniature est en couple. Ça grandit tellement vite, j'en verse une lame d'émotion. Toujours dans l'exagération. Plus sérieusement, je ne sais pas si tu es au courant, mais en Corée du Sud, le couple, c'est du sérieux. Ah, parce que ça ne l'est pas ailleurs? Claire roule les yeux. Mais laisse-moi finir, petite impertinente. Je disais donc, en Corée du Sud, quand deux personnes sont en couple, ils se le montrent et ils se montrent. Ok. C'est bien. Je veux dire, par exemple, il y a l'anniversaire des 100 jours, des 200 jours, des 300 jours, etc. Et ils n'ont pas peur de l'afficher en public. Faut dire qu'ici, tout est quand même plus ou moins orienté vers le couple. Ça craint d'être célibataire. Je n'aime pas être seule. Moi? Oh non, ça ne dérange pas du tout. Dirais-moi. Je suis très bien comme je suis, au contraire, je ne cherche pas à tout prix. Mais donc, c'est une... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les rues, les couples ont très souvent des vêtements qui se ressemblent. Les mecs font aussi de beaux cadeaux et emmènent leurs copines dans de chouettes endroits romantiques. Ils portent les sacs, ils font même les lacets de leurs copines s'il le faut. Et sans qu'il y ait besoin de demander, hein. C'est très démonstratif en fait, on s'affiche comme couple. Ouais, je sais pas lire, mais c'est pas grave. Bon, dans tout cas, c'est un peu particulier car c'est une personne publique. Donc vous allez plutôt devoir vous cacher, on ne peut pas tout avoir. La jolie petite motte de beurre et l'argent du dit beurre. Ouais, j'ai tout compris. Et le sourire du charmant idole qui beurre la baguette française de ses doigts sexuels. Oh mon dieu. Relis cette phrase, tellement elle est magnifique. J'aime cette comparaison. Elle vient vraiment de nous comparer à une baguette française. Est-ce que c'est bon pour vous? Et le sourire du charmant idole qui beurre la baguette française de ses doigts sexy et élégants. J'éclate de rire aux comparaisons hasardeuses et loufoques de ma cousine. Mais je sais déjà que Ginny sera au petit soin avec toi. Il faudra juste que vous discutez bien de ce qui est possible ou pas. À mon avis, tu peux te préparer à avoir de beaux rendez-vous et de beaux cadeaux. J'attends de garder mon imagination sous contrôle, mais c'est un peu difficile. Je termine d'impatience de tout découvrir. Oh, je sais pas lire. Je repense cependant d'un coup à la petite précision de ma cousine. Je sais que ça va être compliqué car c'est un idol. Comme je te le dis, tu dois en parler avec lui. Si jamais les fans apprennent mon existence, j'imagine qu'il y aurait deux réactions majeures. Celle qui penserait au bonheur de leur star et qui se dirait que s'il est heureux, c'est le principal. Et les autres qui voudraient juste me voir disparaître pour de bon. Tu risques aussi de te prendre des réflexions car tu es étrangère. Mais bon, pour le moment, profite.
Il y aura bien le temps de réfléchir à tout ça ensuite. D'autant qu'on est arrivé à notre station. Jette Claire à se lever, puis nous nous faufilons hors de la rame. Je ne sais pas si j'aurai vraiment la tête à me concentrer sur mes cours aujourd'hui. Je crois que ce soir, j'allais me coucher tôt. Je propose qu'on commande aussi à manger parce que je n'ai pas l'énergie pour préparer quoi que ce soit. Ça marche aussi pour moi. J'ai hâte d'être la semaine prochaine. Le kiné a dit que je pourrais enfin reprendre l'entraînement. J'ai des mollets qui me démangent et... Claire est coupée par net par son élan par la sonnerie de son téléphone sur laquelle elle se jette. C'est Eugene, enfin! Comment est-ce que tu veux, Mina-chan? Elle se dirige vers sa chambre et ferme la porte derrière elle. Elle me laissant seule dans le salon. J'en profite pour m'allonger sur le canapé et fermer les yeux quelques instants. Je lutte quand même pour ne pas m'endormir. Après 10 minutes, je me relève pour commander quelque chose à se mettre sous la dent. La conversation de Claire et de son frère dure près d'une demi-heure, et lorsque ma cousine ressort de sa chambre, je ne peux pas m'empêcher de la scruter. Rassure-toi, Mina-chan, tout va bien. Tu avais raison au passage, il dormait parce qu'il était crevé et qu'il avait besoin de se reposer. Il ne t'a rien dit d'autre? Non, pourquoi? Par rapport aux fans, ils se sont peut-être posé des questions sur son absence. Je n'ai pas pensé à lui demander ça. S'il a envie de m'en parler, il m'en parlera. Bon. J'ai faim, moi. Car heureusement pas longtemps. Non, heureusement pas longtemps, attends. Le livreur débarque 20 minutes plus tard. Pas longtemps. Et nous installons bientôt autour de la table basse du salon pour dîner. Ah, c'est vrai qu'il y a ça, mais je crois que j'ai déjà ça. J'avais oublié. Oui, j'en avais eu deux. je sais plus. Ça n'était pas arrivé depuis au moins 10 ans. Je poste quelques photos de mon voyage sur mon compte Instagram avant d'éteindre pour la nuit. Alors que je m'apprête à taper la capture. Le franglais. Un message s'affiche sur l'écran. Tout juste un jour que l'on sort ensemble. Mais bon, par contre, parfois j'ai peur d'avoir rêvé ces instants, mais ils sont bien réels. La seule chose qui me rend un peu triste, c'est de ne pas avoir à passer ma journée avec toi. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Je te promets que je me rattraperai. Oh, mais... Dors bien. Je pose mon téléphone contre ma poitrine en souriant, puis envoie un petit message à mon tour. J'envoie aussi un message à Colomb. J'espère que ça n'était pas trop grave aujourd'hui. Non, juste crevé. Ok, prends bien soin de toi dans ce cas. Oui, je vais essayer. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Je repose pour de bon mon téléphone sur la table de chevet et puis près de moi. Je sombre dans le sommeil en à peine un quart d'heure. Cette fois, je me lève à l'heure et prends donc le temps de me préparer un copieux petit déjeuner pour compenser celui que j'ai raté hier. Claire, qui n'a pas non plus manqué son réveil, est elle aussi en train de s'affairer. Je m'apprête à attaquer mon bol de céréales lorsque la sonnette retentit dans tout l'appartement. Tu attends quelque chose? Parce que moi, non. Non, absolument rien. Je repose ma cuillère et quitte le salon avant d'y revenir 5 minutes plus tard avec un colis. Curieux que une chatte, ma cousine... Curieux comme une chatte, ma cousine vient se planter devant moi. Allez ouvre, au lieu de me faire languir comme ça. J'espère qu'il n'y a pas un colis piégé d'une assassine qui aurait trouvé notre adresse. Mais arrête la parano. Je secoue le petit paquet pour tenter de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a une bombe dedans, tu vas la faire partir à force de l'agiter comme ça. Bonjour. Je m'empare d'un couteau et découpe le bandeau de scotch qui ferme le carton. Je ne peux pas m'empêcher de hausser un sourcil en voyant ce qui se trouve à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De nombreuses boîtes de biscuits très semblables à celles des biscuits Mikado en France s'empilent. Ils sont tous au goût chocolat blanc. J'en prends une pour la montrer à Claire et celle-ci se frappe le front comme une prise de révélation. Ah mais oui, c'est le pépé Rodeil aujourd'hui. Le quoi? Je m'en rappelle de ça. C'était un des trucs que je me suis rappelé. J'en parlais aux gens que je connaissais, du coup.
Ah non, mais je parle de ma vie parfois aux gens. Je sais même pas si je le prononce bien d'ailleurs. Je dis pépéro, mais est-ce que c'est grave au final? Oui. Mais est-ce que je prononce tout bien dans ce jeu au final? Le pépéro day, en gros, c'est un jour où on offre des pépéros. Bravo Claire, merci. C'est. Les trucs que tu tiens en main en Corée du Sud, les Mikado s'appellent pépéro. Le bâton, un bâton représente le 1, c'est pour ça. Donc, pour le 11 novembre, le 11e jour du 11e mois, 4 petits bâtons. Et donc, les mecs ont pour habitude d'en offrir à leurs petits amis. C'est un jour un peu comme la Saint-Valentin, si tu veux. Il n'a pas lésiné sur la quantité, en tout cas. On a des pépéros pour au moins 2 mois. Il y a un petit mois avec. J'ai fouillé dans un carton et il fronce les sourcils. Non, rien du tout. Tu crois que c'est peut-être une erreur? Ça m'étonnerait, ça a été bien, bel et bien adressé. Envoie un petit message, tu seras fixé comme ça. Je suis le conseil de Claire, prends une photo de la boîte et l'envoie à Jinseong. J'espère que c'est bien lui, sinon je vais avoir l'air d'une grosse débile. Méthode s'active sans attendre sur l'écran de mon téléphone. J'ai juste reçu un colis mystérieux, c'est toi peut-être? Oui, je ne pouvais pas passer à côté du pépé rodé. Je sais pas si tu connais, mais c'est une tradition ici. Ma cousine m'a mise au jus, car non, je ne connaissais pas. J'espère que le goût te plaît. Oui, ça a l'air très bon. Le chocolat, c'est une valeur sûre. Merci encore, ça m'a fait incroyablement plaisir que tu aies pensé à moi. Je pense tout le temps à toi, tu sais. Oui, je rêverais qu'on passe ce jour-là ensemble, mais avec l'agence. J'espère que l'année prochaine, ce sera le cas. En attendant, j'espère qu'on aura des occasions de passer du temps tous les deux. Je vais faire en sorte que ce soit le cas parce que j'ai très envie de te voir. Aussitôt, un sourire tire mes lèvres. Bon, on sait bien que ça vient de dîner. Tu es un véritable trésor de guerre, Minatian. Mais je ne sais pas si je vais oser les manger. Tu n'as pas le courage, je peux me sacrifier. J'éclate de rire et lui tends une petite boîte et vais ranger les restes dans ma chambre. Je finis enfin mon petit dîner puis pars me préparer pour la fac. Lorsque je quitte l'appartement, ce n'est pas, c'est un point joyeux. Le soir venu, nous rentrons à l'appartement. Ma journée s'est déroulée sur la lancée du matin. Dans la bonne humeur, le cœur et la tête et la bouche aussi, je veux bien l'avouer, remplie de verre, tu m'étonnes. Alors que Claire et moi végétons devant la télévision, le téléphone de ma cousine nous refait parler de lui. Claire grogne un peu puis se tortille pour récupérer l'appareil coincé sous un coussin du canapé. Ah, c'est Yu-Yu et il a une proposition qui va te faire bondir. Ce ne sera pas la première. Et il nous propose de venir à l'agence pour les répétitions avec 21st June. Bon, il précise ensuite que ce n'est pas une par pure bonté d'âme non plus. Il veut qu'on fasse tampon entre les Sir Star et les 21st June. Parce que Jia va être chiant à cause de la présence d'Eliane et qu'il n'a pas du tout envie de le supporter. Et dire qu'il était gentil là au début. En fait, il faut être génie, c'est tout. Soyez tous génie et ça marchera. Au moins c'est honnête. Oui, et sa demande est tout à fait compréhensible. Ouais. C'est déjà assez stressant pour eux de devoir préparer tout ça. Si on peut l'aider. Et en profiter pour passer du temps avec les deux groupes, n'est-ce pas? Claire a un petit sourire en coin qui en dit long. Eh, ne me le reproche pas. J'ai lu que t'es d'accord, donc. Ça nous promet une journée encore chargée. J'ai hâte quand même. Je n'en doute pas un seul instant. Nous reprenons ensuite notre émission, mais je trépigne déjà d'impatience à l'idée de profiter de cette journée. Il fait encore noir lorsque nous arrivons en vue des locaux d'Open Entertainment. Malgré l'heure indue, je n'ai plus du tout sommeil. Un mélange d'excitation et d'appréhension me réveille. Voir Sir Star et 21st June collaborer, chanter et danser ensemble, c'était un peu un rêve fou que je faisais à Paris. Je grignote machinalement le dernier bâtonnet de pépéro que j'avais emporté avec moi en guise de petit déjeuner. Allez, sinon, à force de rêvasser sur le trottoir, on va finir par prendre racine. Ce serait dommage de rester planté ici jusqu'à l'extinction des arbres.
au lieu d'aller assister à ce moment d'anthologie. En effet, je voudrais pas rater ça. Et puis Yu a besoin de nous pour faire tampon entre Jia et les autres, alors donc au boulot. Je hoche la tête, remonte la lanière de mon sac sur mon épaule et emboîte le pas à ma cousine. Quand nous pénétrons dans la salle Sir Star, Jia se retourne abruptement. Ah, c'est vous. Bonjour. Sois gentil comme au début de l'épisode, s'il te plaît. Sois pas chiant. Oui, c'est que nous, il n'est pas encore dans la place. Le but, c'était de pas l'emmerder avec ça, donc. D'accord. Ma cousine n'a pas froid aux yeux pour le taquiner de la sorte. Faut dire que j'en avais aussi envie. Tellement outré presque cette rivalité de cours de récré entre lui et Tenshou Zun que ça appelle ce genre de plaisanterie. Même si Jia fronce les sourcils, il se contente de hausser les épaules. Claire se dirige ensuite sans hésiter vers son frère qu'elle enlace. On est là comme demande à Yuyu, est-ce que ça va? Chut, malheureuse, votre émission est sous couverture, en toute discrétion. Konari semble en meilleure forme qu'hier et ça me fait plaisir. Vraiment une réaction d'enfant. Bonjour Mina-chan. Jinseong s'approche de moi en me souriant. Merci d'être venu ensoleiller l'agence par ta présence. Ah mais écoute, voilà quoi. C'est mon cousin qui m'a demandé de venir. Merci d'avoir accepté alors. Mon sourire ne veut pas partir de mon visage, c'est très chiant. Il me serre à nouveau, toujours un peu énigmatique, comme s'il pensait beaucoup plus de choses que ce qu'il m'a dit. Il me prend la main avant de m'attirer vers lui en douceur. Les autres sont dans la pièce et je n'ose pas faire grand-chose à part me laisser aller. Je me retrouve contre sentence, mon visage levé vers le sien, et je me demande s'il va m'embrasser. J'ai ma réponse une fraction de seconde plus tard quand ses lèvres se posent sur les miennes. Mais non, quand je te demande d'arriver, tu viens pas, mais quand je veux pas, tu viens. C'est pas possible, toi. Il m'énerve celui-là, hein. Mais je vous jure, hein, c'est un truc de fou. J'ai pas lu sa phrase du coup. Les membres de Danger Zone viennent d'arriver. Manager Van est cependant seul lorsqu'il pénètre dans la pièce pour nous informer. Je vais aller travailler avec leur manager pendant que vous répétez ensemble avec les différents coachs. J'espère que vous avez tous étudié la répartition que le producteur vous a donnée hier. Si oui, vous savez normalement ce que vous avez à faire. Évidemment qu'on l'a étudié. Manager Van hoche la tête d'approbation, puis son regard tombe sur ma cousine et moi. Coucou! Bonjour Claire et Mina-chan. Bonjour! Claire sourit de toutes ses dents. Ah, ça y est, elle a retrouvé son manager Van. Bonjour et merci de nous permettre d'être là. Surtout de manager Van de me sourire. Sans doute nous qui devons plutôt vous remercier d'être venu. Même lui! Je sais très bien ce que vous insinuez tous avec si peu de subtilité. Je sais pas pour qui vous me prenez, mais je sais me tenir. On y croit tous, Sujia. Oui, sans doute. Le manager Ben indique qu'il y croit autant qu'il y croit à l'existence d'une armée de licornes géantes qui volent dans le ciel en chantant du gospel. Je m'attendais pas à ça. Allez, on va être gentil. C'est faux, mais je sais que c'est faux, mais j'aime bien croire en JIA, parce que. Non, je sais que non, parce qu'il n'y a pas marqué choix d'éternel. Bref, je laisse pour ma part le bénéfice du doute à Juna. Bonjour tout le monde. Ceux qui vont dire avec une légèreté dans la pièce suivie par ses trois camarades. Je ne sais pas à lire, mais ce qu'on est habitué. Ouais, mais. Ça fait beaucoup, neuf. Merci de nous accueillir.
Les quatre garçons sont... Théa. Les quatre garçons sont vêtus de training, tout comme les autres éléments de Sarta. Derrière eux, Manager Kim, au visage aussi sévère qu'à la remise des prix. Au moins, il a bien fait du bon travail tous ensemble. Ce qui plie le coude comme pour gonfler son biceps. On va se donner à fond. J'entends Manager Kim siffler que c'est le minimum. Alors qu'il pose dans le... même temps un regard glacé sur moi. J'ai l'impression d'être un insecte juste tout bon à écraser d'un coup de talon. Heureusement, Manager Urban s'apprête d'entraîner le manager de Adventure Dune dans le couloir. Notre manager Urban a quand même l'air beaucoup plus sympa que ce type. King Wang a un sourcil sur lequel brille un piercing constellé de petits diamants. Notre. Dans la vie, il ne faut pas trop être regardant sur la précision. En plus, Manager Urban est toujours aussi canon, ce qui ne cache rien. Elle parle par non, hein. Est-ce qu'il n'embellit pas de jour en jour, même? Ce n'est pas un enseignant idole comme le nôtre. C'est vrai qu'il est beau, même s'il n'est pas mon genre. Je sais plus ce que j'allais dire la fois. Bon, on s'en fout de... Non, je me sens qui, mais... Andrew Game était un idol. Oui, mais chute, car je crois qu'il n'est pas qu'on le sache. Ce groupe n'a jamais décollé après son début, donc sa carrière s'est arrêtée parce qu'au moment où elle a commencé. Et donc il s'est reconverti en manager, on peut y aller. Non, c'est bon. Non, parce que je sais qu'il y en a un qui va dire ça. Je sais pas c'est qui, je vise personne. Sans doute car ça lui donne l'occasion de faire payer ceux qui, eux, ont du succès pour restaurer un semblant de justice dans l'univers. Eliane. Le ton de Kyung-wan est clairement un avertissement. Le main vocaliste de Dungeon Zone lève la main avec un sourire désarmant. Tu n'as rien dit. J'ai pas fait attention à ce que t'as dit et je crois que j'ai dit exactement la même chose la dernière fois. J'ai peut-être pas compris sa phrase, en fait. En tout cas, Manager King n'a pas aimé vous voir ici. C'est pas mon problème. Nous, Minachan et moi, tu veux dire? Oui, il n'aime pas les filles. Eh ben, c'est pas mon problème. C'est moi, je l'adore. Oh, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Il est si beau aussi. Ah bon? Sunshine veut dire qu'il n'aime pas trop que des filles nous tournent autour. Hein? J'en ai rien à faire. Au cas où, elles essayeraient de nous amener du droit chemin, du travail, ainsi. Oh non. Pff, n'importe quoi. J'ai trouvé particulièrement peu sympa. J'aimerais de mon côté leur dire que je suis déjà casée et qu'il n'y a aucun risque pour ce qui me concerne, mais je m'abstiens. Qu'est-ce que j'avais dit? On n'est pas ici pour bavasser, on a du pain sur la planche. Ouais, en parlant de pain, apparemment je suis une baguette française. En tout cas, moi j'en ai car je veux être au top, les autres au fond je m'en tape. Il m'énerve déjà. Parfois, il faudrait lui mettre une claque dans sa tête, genre, pour lui remettre l'idée en place. Non, mais je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Le même vocaliste de Surstar jette un regard défiant avec tout de même une pointe de dédain aux membres de Sunshine du Wu. D'accord, je pense qu'ils sont belles, les steaks, justement. Cola s'avance à son tour. Lui, allons-y, car on doit être au point. Ce sera déjà assez d'être la cible de tous les regards samedi si on peut éviter d'être aussi celle des critiques. Aussitôt, Claire monte au créneau pour motiver les troupes afin qu'elle ne cause pas de préjudice à son frère. Vous serez pas fait. Allez, tout le monde au travail. Mon cœur bat un peu au moment d'entrer dans ce jeu de danse. En tant que fan de K-pop, ça me fait tout de même un petit quelque chose de me trouver en ces lieux. La salle est très grande, toute blanche, avec un plafond haut constitué d'arches immaculées. Un miroir immense couvre tout un mur presque au fond, du sol au plafond. De nombreux spots illuminent la pièce. Nous sommes accueillis par un homme d'une quarantaine d'années, métis en training. Lui aussi. Mon accent anglais est magnifique, ok? C'est notre chorégraphe. Ouais! T'as vu, je sais parler en plus. Il est américain.
Où est-ce qu'on peut se mettre pour ne pas vous déranger, Claire et moi? Vous pouvez prendre les places sur les chaises qui sont le long du mur, normalement. Elles sont assez confortables. C'est pas confortable qui arrange. Mais on s'en fiche. Il est trop mignon, lui aussi. Super beau studio, waouh! On voit qu'Ove a plus de moyens. C'est qui tourne sur lui-même pour observer la salle d'un regard plus appréciatif. On dirait une spirale de soleil. Oui, on a de super infrastructures. Ouh! Ça fait bizarre de voir Aniel comme ça, je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que j'ai pas beaucoup de moments avec lui, du coup c'est bizarre. Le visage de Sir Star le rejoint et commence à tourner également auprès de lui, les bras ouverts. Je veux voir cette scène. La conjonction de leurs deux lumières est presque trop forte pour ma vue. Et là, Edjini se rajoute. Pardon. Non, mais c'était... Eux deux aussi, je compte sur vous pour le garder à l'œil, parce qu'en duo, je pense que ça va être très fatigant. Mais arrête, ils sont trop mignons. Colin paraît là, soudain. Ne t'inquiète pas, on fera au mieux. Le chorégraphe dit quelque chose avec un fort accent américain que je ne comprends pas. Allez les mecs, on va se changer. Je suis sûre que ce sera top. Au minimum. Est-ce que je te redouette une baffe ou pas? J'ai trop envie. Je suis obligé de me dire qu'un manager comme Manager Kim paraît plus en face qu'avec nous. Ils ont l'air d'avoir le même niveau d'exigence et la même force de travail. Les cinq garçons de Sir Star filent dans ce que j'imagine être un vestiaire. Non, ça va être une pièce aromatisée à la pêche. Pendant que les quatre autres restent dans le studio. Sunky fait des petits bonds sans doute pour assoupir ses chevilles tout en faisant également des ronds avec ses poignets. Kyungwan s'étire et Yan me fait rouler une de ses épaules avec une grimace. C'est alors que je me rends compte que je n'ai pas encore entendu la voix de Woo Jae depuis qu'il est arrivé. Notre training gris a sorti à ses cheveux, le visage de Zenfur Zoom fait lui aussi des rotations des pieds pour mettre ses chevilles en condition. Ici, il est comme à la fac, réservé, silencieux, tranquille, très loin de la personnage séductrice qu'il adopte en public. Ça, c'est ahurissant de se dire qu'il parvient à faire le changement d'un seul coup en montant sur scène. Sur les planches, il attire tous les regards rien qu'en apparaissant ici, il passe presque inaperçu. Enfin, sa beauté mise à part. Oups. Ah non, mais... Autour des yeux? Il dit cigarette sur tout. Quoi? Bah, d'accord. Car elle ne passe pas inaperçue du tout, même avec un jogging. Mais c'est presque comme contempler un magnifique tableau suspendu à un mur. C'est très différent de Aniel, dont la beauté paraît animée, vivante. Son regard croise soudain le mien et il me sourit. J'espère que ce sera pas trop ennuyeux pour vous d'assister à ça. Sûrement pas, au contraire, ça promet d'être très intéressant. Au même moment, nos amis reviennent dans le studio. Mon cousin se plombe devant les membres de cette version dans son t-shirt étoilé. Bon, on va commencer par vous montrer une fois notre chorégraphie, puis vous ferez de même avec votre morceau. Et ensuite, on verra pour que nous nous intégrons mutuellement à la formation de l'autre groupe, ça vous va? Parfait, on vous observe avec attention. Pardon. Les deux leaders ont visiblement pris les rênes des opérations. Ma cousine et moi, curieuses, nous installons sur les chaises indiquées par une chaîne un peu plus tôt. Vous faites un mash-up? Oui, comme ça c'est 50-50, tout le monde est sur le même pied sans mise en avant particulière d'un des deux groupes. C'est presque comme des négociations politiques en fait. C'est bourgeois pour demain à leur fille, on a du boulot par-dessus la tête. Et toi, je vais prendre ta tête et la mettre dans le mur là. Nye. C'est bon, calme tes nerfs.
qui, au moins de son côté, ne répare rien. Madeleine, formée par ses lèvres, j'ai l'impression qu'il ne se laissera pas faire si Gia exagère. Claire se penche pour chuchoter dans mon oreille tandis que Colin rejoint son équipe au milieu de la pièce. Gia commence à me courir sur le haricot, sérieux. Il est perfectionniste, c'est tout. C'est un de mes défauts aussi. Du coup, je vais arrêter de... Bon, mais pas autant que lui. Lui, il y a un petit soupçon, un chouïa d'égoïsme dedans. Mais il le sait, donc... Il est perfectionniste, c'est tout. Le chorégraphe lance... Je ne sais pas parler. Le chorégraphe lance la musique. Sir Stardage en position se met alors en mouvement. Oui. Oh mon dieu, je me souvenais pas que c'était dans cet épisode. J'espère avoir cette image cette fois. Du coup, attendez. Enfin, je me trompe. Non, c'est bon. Pardon. Nos yeux et ceux de Tenture's June, dont les membres sont alignés contre le mur à côté de nous, le groupe danse. La chanson issue de leur premier album est rythmée. La chorégraphie est ambitieuse comme la plupart de leurs performances. Ça me donne toujours des petits frissons d'assister à cela. Et même sans mise en scène, sans spot de couleur, sans costume, c'est toujours à la fois aussi impressionnant et aussi beau. Jin Seong mène la danse avec une facilité déconcertante, les autres sont parfaitement synchro. Je ne peux pas m'obliger de battre du pied en mesure sur le rythme rapide et entraînant. C'est une telle chance de pouvoir danser avec Jin Seong quand même. Il est tellement pro et il a tellement de grâce. La troupe à côté de moi, c'est qui semble émerveillé comme un enfant qui contemple un jouet auquel il a toujours rêvé. Lui ne semble pas entretenir trop de rivalité trop exacerbée avec certains. Lorsque la dernière note tapote... Quoi ? Mais qu'est-ce que je raconte ? Lorsque la dernière note est happée par le silence revenu, Colin fait un geste vers le centre de la pièce. À vous. Que Wen hoche la tête en calant une mèche orange derrière son oreille. Ça marche. Les deux groupes échangent leur place et au tour de Serstar de revenir s'asseoir au sol près de nous. C'est toujours aussi génial de vous regarder faire. Tant mieux si ça te plaît encore malgré le nombre de fois que tu y assistes. Pour ma part, je suis assez impatient de m'essayer à la chorégraphie de Sunshine Zoom. Leurs danses n'ont rien à voir avec. N'ont rien à envier aux nôtres. Au contraire, certaines sont plus techniques. Ce sera enrichissant de voir comment Sunshine nous mènera au leur partie. Jin Seong sourit sans quitter les yeux le main dancer de Tenshur's Dune qui prend place face au miroir de son pas sautillant. Ce n'est pas très souvent que je suis excitée par une prestation qu'on doit faire, mais là oui. Ça me rappelle pourquoi tout au début j'avais pensé pouvoir rejoindre un groupe de K-pop. Il parle de sa profession avec plus de chaleur et de passion dans la voix que d'habitude, c'est vrai. Ça me fait plaisir et me touche dans le même temps. Tu as vraiment la danse dans le sang ? Oh oui, c'est ça qui me meut. Nous taisons ensuite car la musique remplit à nouveau la grande salle blanche. Les quatre idols, dont la tête est baissée, la relèvent dans une synchronisation parfaite avant de bouger le buste et les bras. Tout aussi précis que la danse de Sir Star un peu plus tôt. La chanson qu'ils ont choisie est Stardust. Leur tube le plus connu à ce jour. J'avais oublié c'était quoi qui allait le faire parler. Jonah ne peut pas s'empêcher de faire une remarque, les yeux rivés sur les danseurs. Vous savez, un jour, je vais acheter une tapette à mouche. D'accord ? Une tapette à mouche. Et je vais la renommer tapette à Gia. Et quand il fera une petite remarque chiante, un coup de tapette. Et comme ça, il sait... Chut. Vraiment, ça m'énerve déjà. J'ai pas envie de lire. C'est tout de même limite de la provocation, ce titre et ce choix. C'est sans doute pas le groupe qui a décidé du morceau, comme nous. Ça doit être leur agence.
ils se sont peut-être pas dit en haut lieu que ça ferait bien Stardust avec Surstar, hein, pour rester dans le sujet. Bah oui, c'est bien, non? C'est drôle, tout parle d'étoiles comme ça. À ma grande surprise, la voix un peu timide de Yun-chan abonde également dans les sens des autres contre Jia. Duna, oh, c'est la même chose. C'est bien qu'il affirme ses opinions. Allez, Yun-chan! Pétition, Yun-chan, soit président. Pardon. En plus, comme nous, ce ne sont pas les membres du groupe qui écrivent les chansons, je crois. Je pense pas qu'ils ont été consultés au moment de choisir le thème de la chanson, donc ce ne sont pas eux qui sont responsables de la copier au départ. De toute façon, on va pas passer toute la journée à critiquer. On a déjà assez ressassé cette histoire de copier un million de fois et ça devient vraiment lourd d'épiloguer sans cesse. On doit faire ce duo et on fera ce duo quoi qu'il arrive. On doit donc collaborer avec eux et pour ça s'entendre, au lieu d'être toujours dans la défiance ou l'antagonisme. Alors juste, ferme-la si tu veux bien. Colin passe une main nerveuse dans ses cheveux sans quitter le même vocaliste du regard. Souris, mais je suis au bout de ma patience là. Je pose une main sur le bras de mon cousin et un autre sur celui de ma cousine, prête à en renchir avec violence. Toi, tu te calmes et toi, ça va aller. Comme ça. Il est peut-être temps pour moi de faire ce pourquoi Colin m'avait demandé de venir. Je soupçonne que ce soit surtout sur moi qui comptait plutôt que sa sœur pour apaiser la situation. Au moment où Juna a les yeux pleins d'éclairs ou de la bouche pour rétorquer, je lui plante un indice contre la tempe. Je t'aime bien vraiment. Je te trouve exceptionnel en tant que chanteur et j'ai énormément d'admiration pour toi. Et je te trouve très sympa en tant que personne aussi maintenant que je te découvre en vrai. Mais quand tu fais ce genre de choses, je te trouve surtout limite immature. Et pour couronner le tout, tu rends la situation trop compliquée pour mon cousin, alors je n'apprécie pas trop. Ma petite tirade terminée, je tous les membres de sa part me regardent avec des gros yeux à lui. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a, boss miniature dans la place? Celle de Juna plus les siens, deux lames qui me siaillent. Revenu de mon impulsion première, je me pétrifie. Tout à coup, je suis plus si sûre de moi. J'ai peur d'avoir été trop loin. Qu'est-ce que tu racontes? Car je suis pas concernée, je me suis mêlée de quelque chose qui me regarde pas. J'aime la franchise, ce que tu dis, et si c'est ce que tu penses vraiment, je te remercie de me l'avoir dit. Je préfère nettement à ce que tu pèses derrière mon dos. Espèce de nul. Pardon. Et j'ai bien enregistré. J'arrêterai de parler de cette histoire à partir de maintenant. Et pour toujours. Chaque minute, chaque seconde de ta... Chaque nanoseconde de ta vie. S'il te plaît. Dites, vous n'étiez pas censé regarder ce qu'on fait, les Surstars. Excuse-nous, on a un bébé dans la place. Si on est en train de danser pour rien, on se reposera à la place. Excuse-nous, un peu de papote interne. C'est réglé maintenant. Je vois le chorégraphe se lever et un air agacé sur les traits. Oui, c'est bon, désolé. Ce n'est rien, on va recommencer. Tout le monde s'excuse à propos du chorégraphe, même de Jules Dion, et je trouve leur attitude est classe. La musique reprend au début, et cette fois, nous nous concentrons tous sur les mouvements et pas de Stardust. Sans détourner son attention de l'autre groupe, Duna touche cependant l'épaule de Colin de deux doigts. C'est peut-être un côté mazou que j'ai. Pardon. J'avais oublié cette phrase. Mais j'apprécie d'avoir l'impression qu'on a un vrai leader, même quand ce que tu me dis ne me plaît pas. Je m'en souviendrai. Claire va donner un léger coup de coude. Bien joué, ma petite Minatian. Je suis la meilleure après tout. Bon. Oui, merci, Minatian. Non, mais c'est bon, j'avais compris que tu es la meilleure. Pardon. Non, mais... Oui, je suis en train de faire la même chose que Jia, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, c'est vrai. Je hoche la tête, ravie d'avoir été utile. Quand Surzoon a terminé sa danse, les membres de Surstar les rejoignent devant le miroir ainsi que le chorégraphe. Ce dernier donne des instructions à tout le monde et les idols ne tardent pas à prendre position à la place qu'il leur est donnée. Juna, tu peux te décaler un peu vers la droite peut-être? Je pense que ce serait mieux. Car ça permettrait qu'on voit mieux l'amplitude des mouvements de Yun-chan. Jia, pas Juna, merci.
Il se décale néanmoins comme ce qu'il le lui a demandé. Kyung-wan fronce ses sourcils, mais il ne rajoute rien. Comme ça, c'est bien. Tu en penses quoi, Jin-sung? Oui, ça me semble bien. On peut y aller? C'est parti! Les deux danseurs à l'avance de la formation ont au moins l'air d'avoir très envie de collaborer. Au cours des quelques heures qui suivent, les neuf idoles répètent d'arrache-pied. Le coach est très exigeant, il me semble. J'ai l'impression qu'il a toujours quelque chose à redire. Pourtant, moi, à part quelques maladresses au début, ça me semble déjà parfait. Les garçons font, refont, font encore les mêmes mouvements. Inlassablement au fil du temps. Ils reprennent le mashup de Form This Moment, et Stardust un nombre incalculable de fois. Le chorégraphe n'est jamais satisfait, parfois c'est juste pour un minuscule placement de pied ou de main. Et il reprend les garçons sans pincette et il leur dit cash quand ils sont en retard ou sur les autres ou qu'ils n'aiment pas leurs gestes. Je ne compte plus les tuer trop lents et autres tuer trop mous que j'ai entendus. Je comprends, cela dit. C'est comme cela qu'on atteint l'excellence. Et les idols sont des professionnels si on a l'habitude. Si ils ont l'habitude de ce genre de séance. Aussi, à la star de Juna veulent sûrement qu'on les coach pour leur performance finale. Pour que leur personne. Pas possible. Pour que leur performance finale soit parfaite. Ce qui est Jin-seong survole la performance. L'un avec une énergie gracieuse et lumineuse, l'autre avec une grâce élégante et aérienne. Les autres s'en sortent bien aussi, même si Eliane a parfois un peu de mal à suivre certains mouvements. J'ai l'impression qu'il a mal à une épaule, ce qui l'est handicap, et le chorégraphe ne manque pas de le haranguer. Danse également comme il fait tout le reste, comme s'il ne touchait pas le sol. Bon, j'ai une faim de Louis, en plus il est l'heure du déjeuner et on est arrivé super tôt. J'aimerais bien qu'il fasse une pause car c'est inhumain sinon. J'espère que mon convenu n'est pas trop à la peine non plus. Je ne sais pas si mon cousin est dans un jour sans douleur, mais rien n'est en tout cas perceptible dans la glace. Moi aussi j'ai la dalle. Enfin, le chorégraphe tape dans ses mains pour indiquer que la séance est terminée. Un par un, les garçons quittent le miroir pour revenir vers nous. On voit quand même qu'ils sont fatigués. Certains comme Eliane et Juna sortent des serviettes de leur sac pour s'éponger la nuque. J'ai tellement faim, j'aimerais bien manger un poids lourd. Il y a un restaurant dans l'agence, on va vous y emmener si vous voulez. Ce serait pas sympa de votre part. Il n'y aura pas de poids lourd à se mettre sous la dent par contre, que du diététique. Oh, on a l'habitude. Je me lève de ma chaise. On va voir Colin. Après le déjeuner, vous faites quoi? On va chanter, car ce n'est pas le tout de danser. Il faut aussi que vocalement ça suive. Ensuite, on additionnera le tout, et ce soir, on répétera dans l'ensemble. En espérant être au point. Je pense que ce sera le cas, car ça a l'air de rouler pour la Corée maintenant, non? Oui, je suis assez content. Je pense qu'on sera prêt si ça continue à se passer comme ça le reste de la journée. Merci d'avoir maté Juna, au fait. J'étais là pour ça. Et où ce serait bien que tu profites de ce moment de repos pour t'asseoir. M'asseoir. Ça, oui, c'est une bonne idée. Tu ne comptes pas manger? Le minimum syndicat, je peux m'alourdir pour le reste. Colin coupe court à la discussion en nous poussant chacune d'une main à l'épaule. Allez, dépêchons-nous. Je rappelle tout ce que j'aurais pu dire sans savoir si c'était une bonne idée et me hâte comme il me l'a demandé. C'est sûr que c'est pas ici qu'on va faire nos réserves de gras pour passer l'hiver. Claire et moi quittons le buffet avec notre assiette de légumes vapeur et de crudités et de riz. Autour de nous dans la cafétéria, beaucoup d'académiciens. Je sais jamais dire ce mot. D'autres idoles et d'employés d'Open Entertainment. Zigzagant entre les tables, nous rejoignons celle où nos idoles se sont installées. Pouvoir inclure ce déterminant possessif dans ma pensée me donne envie de remercier tous les dieux pour ma chance aujourd'hui. Ouais, non, on va rester avec Sorsa.
ce n'est pas trop lassant pour vous de nous regarder faire tout le temps la même chorégraphie? Vous ne vous ennuyez pas trop? Alors qu'il grignote un bout de poulet, Indian a l'air inquiet que nous passions une mauvaise journée. Non, vraiment pas. N'importe quel fan donnerait beaucoup pour assister à ça toute une journée. Et je dois bien avouer que si j'étais une fan au départ, même maintenant que je vous connais, je reste fan de ce que vous faites. Je respire. C'est adorable ce que tu dis, ça nous fait chaud au cœur, n'est-ce pas les amis? Oui, c'est vrai que c'est gentil. C'est sûr que si tu nous disais que ça maintenant, que tu nous connais, tu serais... C'est sûr que si tu nous disais que maintenant que tu nous connais, tu étais dégoûté par nous, ce serait problématique. C'est clair, petite malice. Minutine sera votre baromètre à partir de maintenant. Si elle est toujours fan, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Mais si ça diminue, il faudra vous remettre en question. Minutine, le baromètre. Quel est son nom... Quel petit surnom saillant. Non. Eh, les petits coquois, qu'on se calme. Coup de batte, hein. C'est plus la tapette à mouche, là. Tu t'es trompé de personne. Sexy. Ah non, mais c'est... Putain, c'est de l'humour. Oh là là, j'étais premier degré là pendant un moment. Bon. Prout. Je ne peux malgré tout pas m'empêcher de sourire à ces taquineries bon enfant. J'ai l'impression de retrouver l'espace d'un instant l'ambiance de camaraderie du restaurant des Woon. Un peu plus tard, je repose soigneusement mes baguettes à côté de mon assiette. Par contre, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer les toilettes? Parce que ça commence à urger. Je me sens pas gênée, c'est naturel, tout le monde fait ça. Je sais pas comment font les autres pour se retenir aussi longtemps. C'est au bout du couloir à gauche quand tu sors du restaurant. Tu ne peux pas te tromper. D'accord, merci. Je me mets debout et tourne un visage interrogatif vers ma cousine. Tu ne viens pas, toi? Du riz plein la bouche, Claire secoue la tête. Je finis mon assiette et j'irai après. Ok, je reviens. Bon pipi. Je glousse. En sortant des toilettes, je me heurte. Non! Non! Je me heurte à Patrick O. Ça m'énerve. Maintenant que je sais quel odieux personnage se cache derrière son apparence impeccable, j'ai envie de le gifler. Il n'a pas intérêt à contenter quoi que ce soit de déplacer sous peine que je l'insulte. Je jette un coup d'œil dans le couloir, mais je vois que je suis seule avec lui ici. Ce n'a fait qu'augmenter ma résolution de me défendre, si jamais. Je sais que Juna m'a dit la vérité. Très loin sans doute d'imaginer mes pensées et qui s'emballe, Patrick O me sourit aimablement. Bonjour mademoiselle. Décidément, j'ai le plaisir de vous croiser très souvent dans mon agence. Si je lui dis non, est-ce que c'est... Il va me dire l'accès aux locaux d'Open Entertainment. Mais quoi qu'il en soit, je ne dirai jamais oui. Alors ce rendez-vous pour discuter de votre bel avenir? Je me dois de tester et je vous rendrai célèbre et riche. Non, je ne me vois pas du tout faire ça et à bien y réfléchir. C'est très dommage. Vous ne voyez sans doute jamais... Vous ne vous êtes sans doute jamais vu sous votre plus beau jour dans un miroir. Sans prévenir, il pose une main sur mon bras et me fait pivoter sur moi-même avant de me lâcher. Je fais à présent face à un beau miroir comme il y en a énormément dans les agences et beaucoup d'endroits en Corée du Sud. Regardez comme vous êtes mignonne, vous avez tout d'un mannequin. Je fronce les sourcils. Je vous ai dit non et c'est non. Et je ne vous prierai de ne plus me toucher. Pourquoi ce jeu est si parfait? Pardon. Non, c'est non, toucher quelqu'un sans son consentement. Oh, ça rime, pardon. Non, je sais pas vraiment le... Sans son consentement, relève le du harcèlement. Relève. En plus, je sais pas faire des morales. La prochaine fois qu'il pose une patte sur moi, je n'en colle une. Et un jour, tu vas en coller une à GIA ou pas? Maintenant, vous m'excuserez, mon matin. Un souci? Je me retourne à la personne, le leader de Tensor Zoom, l'air circuit. Bah, Kim Wan, logiquement. Si la vie est logique. Oui, la vie est logique. Voilà, non, mais écoutez.
Kingwen, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je devais aller vidanger ma vessie et on m'a dit que les toilettes se trouvaient par ici. Les autres attendent. Oui, j'arrive. Si vous cherchez un jour d'avis, mademoiselle, rappelez-vous que je vous ai donné ma carte. La porte de notre agence vous fera. Oh non, je sais après ce qui va se passer. Je viens d'avoir un flashback et du coup, je suis contente. Moi, ça reste toujours ouvert. Ouais. Bah, tant mieux alors. Comme ça, je pourrais aller voir mes garçons préférés. Patrick retourne les talons et remonte le couloir. Il ne dit rien à Kyungwan en passant à côté de lui, les semelles de ses chaussures bien serrées claquent sur le sol. Tu es sûr que ça va? Tu n'as pas l'air comme quand tu as quitté la table. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule vers l'endroit où le CEO de l'agence a disparu. Il n'a rien tenté, n'est-ce pas? Rien tenté? Qu'est-ce que tu veux dire? Kyungwan ne fait pas la même partie. Ne fait même pas partie d'Open Entertainment. Pourquoi cette question qui trahit des soupçons sur Patrick O? Avant que l'autre jeune homme n'ait pu me donner des explications, Juna apparaît à son tour dans le corridor. Mina-chan, c'est quoi ce bordel? J'ai vu où sortir d'ici, et maintenant toi? Qu'est-ce que tu fais là? Il se plante entre Kimwan et moi, et c'est l'idée de Tensun qui s'adresse d'un ton dur. Mais c'est dément, c'est la question à la mode. Les toilettes se trouvent ici, et de ce que Colin m'a dit, je devais y aller, rien de surprenant donc. C'est vrai ce qu'il dit? Avertissement préalable, elle n'a pas vérifié le taux de remplissage de ma vessie. Mais mon Dieu! Arrêtez! Je peux pas m'empêcher de sourire à la boutade. Oui, c'est vrai que Moine est arrivé avant que je parlais à Monsieur O. Et Monsieur O insistait encore pour que tu deviennes mannequin pour l'agent. Je hoche la tête. J'étais à deux doigts de le gifler. Pas sur toi, il n'a rien. Je l'ai vu de l'angle du couloir et j'ai tout de suite flairé l'embrouille. Mais ma vue nulle a fait fuir. Kyungwan mime les guillemets avec ses doigts. Dieu merci. Le mode vocal de sorcière examine le leader de Tony Chanson avec attention. Tu es un pote de Sora. Ce n'est pas une question. Oui, et toi aussi. C'est quoi le rapport? Juna se tourne vers Kyungwan. Merci d'être intervenu pour protéger Mina-chan. Tu peux m'appeler Juna. Voilà, c'est ça que j'ai eu le flashback et du coup, je te vois. Ah! Le repas terminé, Manager Ban et Manager Kim sont venus chercher les 9 garçons pour la suite de l'entraînement. Comme ils nous l'ont dit plus tôt, c'est l'aspect vocal des chansons qu'ils vont travailler maintenant. Tout le monde grimpe les escaliers au pas de course pour arriver jusqu'au studio. En passant devant la salle sur tard, je sens tout d'un coup qu'on m'agrippe la main. Il s'agit de Dinsong. Je l'ai dit tout vite. Ce mot soustrayant au reste du groupe et il m'entraîne dans la pièce dont il referme la porte derrière nous. Je vole quelques minutes à notre entraînement pour te les donner à toi qui les mérites. Mais cet enfant, mais comment vous l'avez fait? Il passe une main dans ma nuque sous mes cheveux. Il attire ensuite mon visage vers le sien et s'empare de mes lèvres. Je me fais vivoter sur moi-même mais je me retrouve collée à la petite table dans le coin. Et le cœur de Jinsong est pressé contre le mien. J'entoure sa taille de mes bras alors que notre baiser s'approfondit encore. C'est reparti pour un tour. Sa langue joue avec la mienne, explore ma bouche. Vas-y, t'as fini, encore t'es. Je suis transformé en oiseau. Et ses lèvres s'écartent un peu de moi avant de picorer mon manteau et ma gorge de petits baisers. On dirait que j'ai dit manteau, mais. Est-ce que vous m'en voulez au final? Jinsong laisse passer un instant avant de reprendre la parole. J'aimerais trop offrir tout mon temps, mais je ne suis pas libre de mon planning et je ne dispose pas de mes journées. Dimanche. Dimanche, par contre, on pourrait aller quelque part, rien qu'à deux. Est-ce que ça tenterait? J'adorerais. Jinsong sourit, la proportion d'ombre augmente dans son œil. Ça y est, elle recommence. Alors, rendez-vous pris. Il faut y retourner à présent. Mais d'abord, pour me donner du courage, ses lèvres cherchent à nouveau les miennes. J'ai envie de pleurer. Non, je rigole, je veux pleurer.
Cette fois, je glisse une main dans les cheveux d'eau de Dinsam. C'est peut dire son prénom, ça y est. Ses bras s'enroulent autour de ma taille et me rapproche un peu de lui en même temps que la baiser s'approfondit. On peut pas faire des câlins. C'est bien les câlins. Le lendemain, l'ordinaire d'une étudiante a repris. Claire, tu pourras m'envoyer tes notes de cours, s'il te plaît? J'ai un peu galéré à suivre aujourd'hui. Mais bien sûr, je trouve quand même que tu fais des progrès en coréen, Vivi. Sylvia sourit d'un grand sourire qui éclaire tout son visage. Ma petite Sylvia, tu m'avais manqué. Ça, je peux pas dire le contraire. Merci beaucoup. Elle est là. Bref, je l'aime trop de toute façon. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Juna à la fac. Juna. Non, mais c'est pas possible. Je m'épuise moi-même. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Woody à la fac, tiens. Il nous avait dit qu'il ne pourrait pas être là pour. Il nous avait dit qu'il ne pourrait pas être là pour la dernière présentation, même au dernier cours. Pas étonnant avec les répétitions. Faudrait que vous me rappeliez qui sont tous ces gens parce que j'ai un peu de mal à suivre. Mais t'en fais pas, on te fera un petit cours de rattrapage. On doit retrouver votre amie où? À l'entrée de la fac. Elle parle un peu anglais? Alors là, j'en sais rien. Ne t'en fais pas, elle lui demandera de parler lentement. Ah, justement, je la vois. Claire fait un grand signe à Raon qui sourit en nous voyant. Son regard derrière ses lunettes s'arrête sur Sylvia. Vivi a à son tour un sourire timide et se présente au coréen du mieux qu'elle le peut. Bonjour, je m'appelle Sylvia et je suis très heureuse de vous rencontrer. Je m'appelle Raon, Claire et Minachan ont beaucoup parlé de toi. Je note que Raon fait un effort pour parler moins vite et plus distinctement, sans même que nous devons lui suggérer. Sylvia semble le remarquer, elle aussi sourit encore. Si vous êtes tous les trois partantes, je peux vous emmener dans mon café préféré de Séoul. Moi je le suis et vous autres, évidemment. Si vous êtes d'accord pour que je vous accompagne, bien sûr tu es la bienvenue. Raon sourit gentiment et Sylvia paraît rassurée. Allez hop, ne traînons pas parce que tout ça, ça attise ma curiosité. La mienne aussi, j'ai hâte de savoir maintenant. Raon rit et nous fait signe de la suivre. Oh, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment joli en tout cas. Super ressemblant, on s'y croirait. Raon cache un autre sourire derrière sa main, mais ses yeux pétillent de satisfaction. Nous nous retrouvons dans un café entièrement dédié à Sherlock Holmes. Je vais me tromper. Il y a toujours un truc que j'ai pas, c'est triste. Voilà, je vous laisse le truc. Et vous pouvez lire. C'est vrai que je le dis plus, mais vous pouvez le lire en fait. Moi je le lis pas. Enfin, pas en vidéo. Tout y est de l'apparence du mobilier aux photos et aux tableaux sur les murs. Même les plats détaillés de la carte sont un rappel du célèbre détective. J'adore Sherlock Holmes depuis que je suis petite. J'ai lisé et relisé les romans et les nouvelles. Et j'ai bien évidemment regardé la formidable série de la BBC avec Benedict. Anyway, Cumberbatch. Je sais pas. Ok, moi je m'y connais toujours pas depuis. Quand elle est sortie il y a quelques années. Puis tous les films avec Robert... ça, je connais. Robert Downey Jr. Je connais. Je suis pas bête. C'est le plus ancien. Iron Man, hein. On s'en rappelle. Le concombre. Je suis un collab sur la question. J'ai juste vu la série de la BBC pour ma part. Alors, je sais pas qui j'ai... Non. Oups. Je sais que j'ai... Sylvia, du coup je sais pas ce que j'ai eu. Je dirais Baraon. Du coup. Bah je veux Sylvia en fait. J'ai pas grand
Moi-même pas, j'ai eu le chien des Baskerville quand j'étais jeune, mais je m'en souviens pas trop. Je suis pas très série, moins que livre, même si je n'ai plus le guère le temps de lire non plus, à part pour la fac. Et toi, Minotian? Je n'y connais rien, désolé, je n'aurais pas changé. C'est l'occasion de découvrir. Claire et Sylvia sont de leur côté émerveillées par l'endroit. Tout est joli et je m'y sens. Attendez, attendez, non, je viens de penser un truc. Je n'ai vu que la série. Ah non, ça marche pas comme ça. Tu ne devrais pas être trop dépaysé alors. Claire et Sylvia sont de leur côté émerveillées par l'endroit. Tout est joli, je m'y sens également très bien. Et tu viens souvent ici? Oui, quand j'en ai l'occasion. Ils ont un thé délicieux et des petits cupcakes à tomber par terre. Il faut tester. Nous commandons tous des snacks différents pour pouvoir goûter dans l'assiette de l'une de l'autre au cas où. C'est de toute façon comme cela que se passe généralement en Corée du Sud les repas. Ils sont une affaire de partage. Non, je rigole, j'aime bien avoir Claire. Mais je veux. Sylvia. En fait, c'est très agréable, très calme aussi. Ron fait toujours très attention à ce que Sylvia la comprenne. C'est très bon, merci de nous avoir fait découvrir ça, Ron. Le plaisir est pour moi, j'adore voir les gens tomber amoureux de cet endroit. Ça me rappelle ma première fois ici. Ron sourit et boit quelques gorgées de thé. Mon téléphone vibre soudain sur la table. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de mettre en silence. J'attrape l'appareil et j'éteins. Je peux pas m'obliger d'espérer un message de Jinseon. Sur l'écran apparaît le nom de Namseon. C'est Namseon. Claire ne se gêne pas pour faire savoir sa désapprouvation avec un petit grognement méprisant. Même Raon, qui paraît avoir un self-control, ne peut pas retenir un petit claquement de langue. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait quelque chose? Avant que je n'aie temps de répondre, il s'est autour de personne de Sylvia de se manifester. C'est lui aussi, tiens. Mais ce type a une vraie tique, qu'est-ce qu'il veut? Moi, il me propose d'aller dans un coin sympa de Séoul entre amis. Quelle originalité, il m'a dit la même chose. Il est vraiment débile. Il sait qu'on se connaît pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Je sens une certaine hostilité. C'est vrai qu'on ne t'a pas encore mise au courant. Je m'en charge, je vais le rhabiller pour l'hiver. Claire se lance dans une vieille explication par le menu, agrémentée de quelques petites piques assassines envers Namseon. Au moins, c'est honnête. Sylvia tous les coups nous écoute d'un air consterné. Désolée, Vivi. Oui. Je suis amoureuse. J'arrête de tomber amoureuse de tout le monde, mais c'est pas ma faute, ok? Dire que je le trouvais sympa. Heureusement qu'on t'a prévenu avant qu'il ne te prenne dans ses filets. Sylvia éclate sous un rire. Ah, crois-moi, il n'y avait aucun reste. Aucun rire. Tu as déjà un copain? Sylvia nous regarde semble un peu hésiter puis décide. Non, c'est juste que je suis pas attirée par les mecs. Elle a une chemise, ça voulait trop dire. Pardon. Oh, d'accord, je vois. Pas de soucis, merci de nous l'avoir dit. Comme ça évitera de commettre des impairs. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes un petit regard à Raon qui sourit. T'en fais pas, j'apprécie ta confiance. En Corée du Sud, ce n'est toujours pas évident pour les homos. Pardon, je rigolais, c'est un rire nerveux. Non, c'est vrai, la société n'est pas ouverte sur la question. Tu ne risques pas de te faire agresser, mais il y a une discrimination de fait. Tes pensées pour les couples hétéros, beurre. Non, je rigole. C'est bon, je rigole, parce qu'après, je vais encore me faire incendier. Le modèle de vie, c'est le mariage, les enfants, la famille. Enfin, tu peux avoir des enfants et le mariage, quand même. Bon, pas ici, du coup, mais. Oh, bah. Surtout pour les filles, les parents s'attendent à ce que leurs enfants suivent le même schéma qu'eux. Du coup, ce n'est pas toujours simple. Certaines lesbiennes préfèrent vivre cachées et ont une double vie en quelque sorte.
Et d'autres plus rares, elles le disent, mais acceptent en même temps la discrimination au boulot, par exemple. Ce n'est pas très joyeux. Non, c'est vrai, il y a des avantages aux deux situations. Mais la société bouge un peu, peu à peu sur la question. Tiens, j'y pense, mais il y avait un idol qui avait fait son coming out. Je connais. Hollande, je crois. C'est toi qui t'es connu en K-pop. Ça n'a pas dû être évident. Mais je trouve ça super qu'il s'accroche comme ça. Bon, après, il est tout seul dans son coin et il n'est pas dans un groupe. Je crois qu'il n'a pas d'agence non plus. Peut-être parce qu'il s'est confié sur son orientation sexuelle d'entrée de jeu et du coup, c'est plus difficile pour percer. J'espère qu'il aura plein de succès. Il faut toujours qu'on t'emmène à un concert de K-pop, Julie. Ça te dirait aussi, Raon? C'est gentil, mais ce n'est pas du tout mon truc comme je vous l'avais déjà dit. Bah, moi, je veux bien si vous voulez me prendre avec, ça me dérange pas. Elle me sourit et commande un cupcake. Après de bonnes heures à discuter et à passer un très bon moment, nous nous levons pour quitter le café. À plus tard, les filles. Merci encore pour la découverte. J'espère qu'on pourra vite revenir. Oui, on va dire quoi. Quand vous voulez, il ne faut pas trop me forcer pour ça. Tu fais le trajet de retour avec moi, Sylvia? Claire et Minotion vont dans le sens opposé. Avec plaisir. À plus tard, vous deux, j'ai passé une super après-midi. Sylvia nous offre une accolade puis s'éloigne avec Raon. Montrons-nous aussi. Par contre, on peut passer aux toilettes de la station de métro. Avec tout le tel que j'ai sifflé, je sens ma vessie sur le point d'exploser. Allons-y avant que tu ne te passes dessus. Je prends Claire par le bras et l'entraîne vers la station. Claire entre dans les toilettes à toute vitesse et se dirige vers l'une des cabines. J'en profite moi aussi pour faire un petit pipi. Ah oui, ça m'a rappelé un truc. Au moment où je retire mon pantalon, je me fige. J'accroche le visage de la serrure, les sourcils froncés et tapotent ce qui se ressemble à un tout petit objectif. Claire, ma cousine qui a déjà fini est déjà ressortie pour se laver les mains et me répond aussitôt en français, elle aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux venir 2 secondes? Je sais que je suis pas la... je sais que je suis pas la reine de la pudeur, mais je ne vais pas rentrer dans la cabine pendant que tu fais pipi. Quoi? Mais non! Je n'ai encore rien fait, justement. J'ai comme l'impression qu'il y a une caméra dans les toilettes. J'entends les pas de Claire sur le carrelage et vois bientôt le bout de ses chaussures sous la porte. Ok, ouvre-moi. Je retire le verrou et laisse entrer ma cousine. Elle se penche à son tour vers la porte, triture un peu la serrure et lâche une exclamation colérique. Mais oui, c'est bien une caméra. Elle parvient à l'arracher et la garde dans la main. Il y a vraiment quelqu'un qui a planqué une caméra dans les toilettes pour espionner les gens? C'est complètement tordu. Faut avoir un sacré problème pour faire ça, j'imagine toutes les pauvres femmes qui se sont fait mater. C'est plus grand qu'on croit ce genre de truc. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une très grosse manifestation contre le phénomène de 22 000 femmes sont descendues dans la rue. Mais du coup, j'ai toujours pas le truc là, je sais pas ce que c'est. C'est un truc de ouf, hein. Je crois que le gouvernement a fait vérifier des dizaines de milliers de toilettes publiques. Mais bon, rien n'empêche la Harceleur de remettre des caméras ensuite. Faut vraiment être taré pour faire ça. Je vais aller vérifier qu'il n'y avait pas dans ma cabine, puis signaler cette caméra à un des employés de la gare. Et moi, je vais attendre d'être rentré pour faire pipi. Claire hoche la tête et nous quittons les toilettes dans la précipitation. Mon dieu, mais quelle histoire! Heureusement que je l'ai vu avant. Bien que d'imaginer quelqu'un en train de me regarder. Au pire, si c'était ensuite diffusé sur internet. Je crois qu'ils vont arrêter le coupable. Je sais pas trop. Ah là là, heureusement qu'on a passé une super après-midi. Oui, c'était génial. Vivi et Raon ont l'air de bien s'entendre. J'ai hâte qu'on puisse se refaire une petite sortie comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de cafés à thème à Séoul? Plein, on fera la liste si tu veux. J'ai l'air fort pipi car là je suis au bord de l'explosion. Claire éclate de rire et me force de foncer vers les toilettes. Lorsque je reviens quelques instants plus tard, ma cousine est au fourneau. Allez, pour t'aider à te remettre des émotions, je fais le dîner. Chouette, je me laisse shooter alors. Je souris et pars ensuite m'étendre sur le canapé. Le soir venu, une fois dans mon lit,
vêtu de mon plus beau pyjama sur Terre. Waouh. Je m'attrivais à envoyer un petit message lorsqu'on me devance. Ce jour loin de toi a été long pour moi. Le seul moyen de le faire passer plus vite a été de me dire que j'allais te revoir demain. Il y aura les autres, mais je ne veux juste passer de temps, un peu de temps avec toi. Repose-toi bien, Mina-chan, tu me manques. À demain. À demain, d'une somme que tu me manques aussi. La patience nichée au creux de mon ventre, je ferme les yeux, priant pour être plus vite, au plus vite possible le lendemain matin. Ma cousine et moi accompagnons Sir Star au Ethan Shortstone dans les coulisses des studios télévisés. Après être passé au maquillage, nous nous sommes rendus en périphérie sur le du plateau. Claire et moi attendons ici. Je suis pleine de confiance, je suis un peu stressée. Je suis pleine de confiance parce que c'est les meilleurs. Les garçons ont bien répété, ils sont prêts. Contre toute attente, malgré les réticences. Oh mon dieu, j'en ai marre. L'initiale de Juna. Pas Woodjay, cette fois. La journée d'entraînement s'est terminée de façon plutôt cordiale. Même si pas gentil présentateur. Essaie de les prendre en défaut et ils pourront s'en sortir. Depuis l'émission est en direct, ce qui fait qu'à mon avis, le présentateur ne pourra pas dire n'importe quoi. Ou du moins, je l'espère. Et pas plus que la première fois, il est venu saluer les deux groupes comme s'ils étaient bien au-dessus de ça. Les applaudissements du public dans les gradins se font tout à coup entendre ainsi que la musique du générique de l'émission. Les 9 garçons se tiennent en stand-by au bord des coulisses en attendant qu'on les appelle sur le plateau. Chacun arbore un suture coloré avec le logo de son groupe à l'arrière, les étoiles de Sir Star et la calligraphie de Tun Shur Jun. Du côté de Tun Shur Jun, Seki sautille un bras passé autour de la main de la taille de Kyung Wan, Elian et Woo-jae se tiennent la main. Jun a l'air d'un coureur de starting blocks. Tae Wong examine une caméra d'un air un peu rêveur. Je suis pas sûre qu'il regarde vraiment l'objet devant lui. Jin-sung de son côté semble calme, mais je ne sais pas si ce n'est qu'en surface. Près de lui, In-chan arbore au contraire un visage incroyablement stressé. Colin souffle les doigts dans ses cheveux parfaitement coiffés par l'équipe de stylistes quelques minutes auparavant. C'est parti. Mon cousin a l'air relativement angoissé avant de devoir à nouveau porter le masque de son sourire parfait devant les caméras. Tu redoutes quelque chose en particulier ? Le présentateur ses questions, les épreuves après la partie musique. On devra faire des tas de petites épreuves, parfois farfelues, et j'imagine qu'il va nous mettre en compétition, Tun Shur Jun et nous. J'espère qu'il n'y aura rien de trop dégradant, c'est quelque chose auquel j'ai du mal à m'habituer, surtout que... En tant que français, ok. Tandis que nous entendons Dungeonium introduire l'émission, Juna réajuste son micro devant sa bouche. Les micros branchés, les garçons ne peuvent plus parler sous peine d'être entendus par le public. Il ne reste donc plus que les regards pour communiquer l'expression des visages, la façon dont les lèvres s'incurvent ou se tendent. Ils sont là, vous les attendez, nous les attendons avec une impatience non dissimulée. Sir Star et Tun Shur Jun, ou Tun Shur Jun et Sir Star, cela nous le saurons en fin d'émission. Le petit accent ironique à la fin de la phrase n'échappe à personne. Juna serre un point et les traits de plusieurs garçons se crispent. Je vois parfaitement à présent d'où cette rivalité émane, la manipulation des foules par certains journalistes comme Dungeonium. Ils veulent faire croire que les deux groupes sont à couteau tiré, et c'est cela qui nourrit en réalité des sentiments comme ceux de Juna. Ce n'est pas l'inverse. Vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est quoi que j'ai eu? Ah, connard. Cool. Léopard des ondes. Léopard de Wish. C'est mieux. Ouais. Les garçons s'enlacent vers le plateau. S'élance. C'est pas la même chose. Vers le plateau en souriant et en faisant des signes de la main. Moi qui les vois de dos, j'ai l'impression qu'ils partent pour une bataille. Les cris et les applaudissements manquent de nous rendre sourds, ma cousine et moi. Déjà lorsque l'un des groupes est présent, il déchaîne l'hystérie.
Mais là, chaque fanbase crie plus fort pour montrer son soutien à sa formation favorite. Je vois que les jeunes hommes rient, alors qu'ils se tiennent face au public pour les saluer bras dessus dessous. Oui, c'est bon, j'ai eu l'image que je voulais. Waouh! Non, mais j'ai 2 ans et demi, après, c'est la même chose. Après avoir salué et fait de nouveaux signes de main, des cœurs coréens, des doigts, ils prennent enfin place sur les canapés. Les cousins. Oh! Ouais! Ça n'a rien à voir! Du coup, je clique après. Les coussins sont toujours tendus de tissu léopard assorti à la tenue du présentateur. Voilà! Mais du coup, est-ce que j'en ai trouvé une nouvelle? Oui, je l'avais pas! Ouais! Bah, celle-là, je l'ai pas retrouvée. Je crois qu'elle était dans le métro. Une vision rare, vous neuf réunis comme si vous ne formiez qu'une grande équipe. Nous allons passer à votre duo dans un instant, mais d'abord la politesse, comment allez-vous? Très bien, nous sommes ravis d'être ici avec vous. Kyungwan offre un sourire charmeur aux caméras. Oui, on est toujours content de vous retrouver. Et du côté de First Star? Nous aussi, c'est un honneur pour nous de partager le plateau avec Tony First June. Les deux leaders inclinent la tête l'un vers l'autre et les fans crient de nouveau de plus belle. Et moi aussi, ça me fait un petit quelque chose de voir mes deux groupes favoris ensemble sur ces divans emblématiques. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission en plus. On a hâte de voir quelle équipe, quelle épreuve vous nous avez concoctée. On a travaillé dur pour préparer la performance que nous allons vous présenter et on espère que vous allez lui faire bon accueil. Je n'en doute pas. Mais d'abord, des nouveautés à partager avec nous, peut-être. Où en êtes-vous pour votre nouvel album? Nous avons commencé à répéter pour notre tournée du début de l'année. C'est la même chose pour nous, nous sommes presque prêts pour la sortie d'album. Pouvons-nous avoir une petite exclusivité, le nom de vos albums respectifs? Nos fans le savent déjà car nous leur avons confié lors de notre dernier show à Séoul. Vous insinuez que je ne suis pas un fan? T'es drôle. J'ai envie de lui mettre une tarte! C'est pas vraiment drôle, mais c'est le but en fait. Sans se laisser déstabiliser, Kyungwan rit légèrement aussi avant de répondre avec un sourire poli et gracieux. Il semble rôder à tout, comme même au rouleau. Notre album s'appellera Android et ce sera également son concept. Le nôtre est issu de la chanson. Et dont est issue la chanson que nous avons interprétée au Asian. Oui! Au Asian Awards, ça s'appellera Utopia. Tout un programme. Et cette fois, ça ne se ressemble pas. Je donne un coup d'œil à Juna qui reste impassible à l'exception d'une étincelle d'agacement fugace dans le regard. Et là, elle lui lance un regard genre en mode. Mais je suis sûre que personne ne l'a remarqué car il faut le connaître. Et elle s'est éteinte presque au moment où elle s'allumait. Vérifie ensuite. Je sais pas dire son prénom. La petite fiche qu'il tient à la main. Une question que les fans nous supplient de vous poser suite à quelques rumeurs récentes. Ça vient, on connaît la musique. Mais comme cela, la vérité sera établie une fois pour toutes. Surtout ravi de me faire le porte-parole des fandoms pour tordre le cou aux rumeurs. Comme mes téléspectateurs le savent. C'est marrant. Tu parles, on l'a vu la dernière fois. Je crains le pire également. Que va-t-il encore inventer? J'espère que les satanés et sictueux de tout poil ne sont pas encore passés par là. Ma cousine attrape ma main et la serre dans la sienne comme si elle voulait la broyer. Peut-être que l'histoire de l'intrusion des Sanseng a fait surface. À côté de nous, Manager Bun ne semble pas tout à fait serein. Taisez-vous. Un peu plus loin, Manager Kane fait un geste à l'attention de ses poulains, mais je ne comprends pas. Ça concerne des affaires de cœur. En plus, c'est un sujet qui intéresse grandement tout le monde. Les managers de Manager s'étendent près de moi, Claire lâche un juron entre ses dents. Sur le plateau, je vois que les mains de Tony First June ouvrent de grands yeux. Sur le canapé, ceux de Sir Star échangent un regard discret. Mon angoisse grimpe jusqu'à ma gorge et j'ai justement presque l'impression que je vais vomir. Et vite, ça me dégoûterait énormément.
Bah, tiens, tout de suite. Il paraîtrait que vous avez une petite amie actuellement. Est-ce vrai? Et si oui, pouvez-vous l'officialiser? Ah ah Je m'attendais pas que ça s'arrête là direct. Bon, bah, du coup, je. Je sais pas quoi dire, à part que cet épisode est chiant. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!